Du livre de Michée. Maintenant, fais-toi des incisions, fille guerrière. On nous a assiégés. À coups de bâton, on frappe à la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors, ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur Dieu. Ils s'installeront, car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix. Au cas où un sourd entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes humains. Ils feront paître la terre d'Assur avec l'épée et la terre de Nemrod avec le poignard. Mais lui nous délivrerait d'Assur au cas où celui-ci entrerait sur notre terre et foulerait notre frontière. Alors, le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant du Seigneur, comme des rosées sur l'herbage, qui n'attend rien de l'homme, qui n'espère rien des humains. Alors, le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de moutons. Qu'il passe, il écrase et déchire, et personne ne peut en délivrer. Thank you.
Extrait des lettres du bienheureux à ses proches et à ses amis. Le temps s'en va. Il est donc nécessaire que les désirs enfantins, les amusements puérils disparaissent pour laisser place à un travail assidu. Chers parents, soyez persuadés que je mets à mes devoirs toute mon application, toutes mes forces. L'homme ne fait pas son ami d'un grain de sable, ni Dieu de ce qui n'est pas élevé à la hauteur de son rang. C'est pourquoi son Fils s'est immolé pour nous, nous a lavés de son sang précieux et nourris de sa chair sacrée. Par là, il a fait de notre âme un ciboire et il y demeure perpétuellement jusqu'à ce que nous soyons assez fous pour l'en chasser par le péché mortel. Dans toutes mes difficultés et mes peines, je tâche de trouver quelque chose de nouveau pour mon esprit et de salutaire à mon âme. C'est ainsi qu'on arrive à bout de tout. Ce n'est pas ce qui est ainsi que l'on doit conquérir sa palme de l'au-delà, mais vaut mieux vivre de se soucier de vivre longtemps. Vaut mieux bien vivre que de se soucier de vivre longtemps. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître et nul ne le connaît tant qu'il n'a pas souffert. Oui, il nous faut recevoir le baptême des peines, des chagrins, pour arriver un jour à la maturité. Quel sera ce jour? Ce jour sera le moment le plus terrible et le plus heureux. Ce devra être le moment béni entre tous, la mort. La mort, dis-je. À cette heure-là seulement, nous serons mûrs. Tâchons de nous y préparer. Ne perdons pas une minute, car celle-là que nous serions exposés à perdre sera peut-être la plus précieuse pour gravir un échelon de plus. Quand arriverons-nous à notre épanouissement si, dans notre jeunesse, nous ne versons pas des larmes amères et abondantes? J'en suis à me demander par instant si l'enfer est possible, en ce sens qu'il y aurait des hommes assez fous pour aller s'y précipiter quand Jésus est là, cœur ouvert, prêt à nous envelopper de la flamme de son amour éternel. Pensée infinie, infini regard éperdu dans l'infini. L'éternelle vie ne m'a jamais été si dévoilée. Et la présente ne m'a jamais paru si belle. Je ne puis parler, ni même pleurer de mes yeux de chair, mais le cœur et l'âme ne sont que sanglots et prières. Je dois aller là-bas et travailler de toutes mes forces pour le bon plaisir de Dieu. Et cela sans me faire remarquer, sans qu'on parle de moi, et m'exténuer par pur amour de Dieu. Il faut nous hâter, n'est-ce pas? À notre âge, d'autres étaient saints.
Si la tige fleurit trop longtemps, le fruit ne peut mûrir avant le froid et la mort. Or, il y a tant de pécheurs, tant de païens qui nous appellent. Nous voulons leur répondre. Notre sang, notre chair, c'est pour eux. Je te le dis encore, il faut nous dépêcher. Plus j'ai vécu, plus je suis persuadé que le sacrifice, lui seul, donne un sens à nos jours. Je ne voudrais pas prendre ou avoir tenu la place du bon Dieu dans vos cœurs. Je la lui cède parce que lui seul la mérite. Vous m'avez donné à lui. Chacun de vous m'a donné. Chacun de vous mérite la vie éternelle et le centuple en ce monde. Rappelez-vous que tous les plaisirs vous ont déçu jusqu'ici, tous, absolument tous. Le ciel seul vous causera un plaisir non seulement sans tristesse, mais au-dessus de tout espoir. Faites de moi un saint prêtre. Ô maman, donne quelques-unes de tes douleurs pour moi. C'est la meilleure des prières. Vos larmes, donnez-les au bon Dieu pour les missions. Et puis, je vous en supplie, faites de moi un saint par vos prières et vos souffrances. Je veux m'exténuer au service de Dieu. Le tout est de commencer toujours, envers et contre tout, et de ne se décourager jamais. Alors, quand on meurt, on a vaincu. Cette ténacité du prêtre n'est pas de l'entêtement. Il y a des causes qui exigent le don complet de soi-même. La cause du Christ est de celle-là. Elle doit avoir des défenseurs intrépides, des témoins. Il n'est pas le plus grand amour que
Le Liban ne pourrait suffire au feu,
ses amis vont subir la Holocauste. Première lettre de Saint Pierre. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ.
Sois-tu, Seigneur, qui as mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir. Que nos travaux et nos joies te glorifie. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessille nos yeux et guide nos pas. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Soutiens de ta force Madame Aude Goldie en réanimation, et toutes les personnes souffrantes qui nous sont recommandées, que Notre-Dame de Pontmain les console et les réconforte. Accueil des mains de la Vierge Marie, nos prières pour nos frères et sœurs absents ou malades, pour sœur Geneviève et pour chaque membre de notre famille spirituelle et pour tous nos hôtes, que la Mère du Rédempteur les entoure de sa protection. Thank you.
Thank you.